Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur TPF2 et aujourd'hui on va continuer notre voie du coup étroite. Mais juste avant du coup j'ai bien ajouté un petit évitement ici. Ça fluidifie pas mal le trafic, c'est ce qui manquait. Il est plutôt bien situé en plus, il est on va dire au milieu de Brive et de Asnières, donc c'est plutôt top, ça marche bien. Et on a quelques petites correspondances qui se font ici. Donc c'est plutôt cool, ça fonctionne. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va continuer notre voie étroite en direction. Alors, je dis bien en direction de Fontenay parce qu'on ne va pas aller jusqu'à Fontenay. Je pense qu'on va l'arrêter dans ce secteur-là. On va mettre une ville probablement ici, une autre ici et pourquoi pas une autre là. On verra, mais je pense que ça va être à peu près ça. Donc, j'ai déjà commencé à placer le pont. Vu que ça rame un peu quand je mets les ponts, je les fais en avance pour pas mettre 10 ans à faire juste un pont en ligne droite. Et on va continuer du coup notre voie étroite. Alors du coup, oui, le jeu il en peut plus, je crois. Je sais pas ce qu'il a. Ouais, c'est dès qu'il y a un rapport au pont, le jeu il aime plus. Donc c'est atroce. Rail. C'est ici, c'est cela. Donc caténaire, oui. Hop, on va faire ici un petit tunnel, je pense. Bon, l'idée c'est un peu de garder les 80 km/h. Donc on a dit qu'on voulait... Ah, est-ce que le tunnel je le ferais pas un peu plus là comme ça? En ligne droite ça donne quoi? Je pourrais le faire genre là comme ça. Et je mets la gare ici. On va déjà changer le tunnel, on va mettre un truc un peu plus... voilà, on va mettre ça. Admettons, je fais ça, ça fait très ligne droite hein. Au final, ouais, c'est avec le pont derrière. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y aura du terraforming un petit peu, je pense. On mettra peut-être un mur de soutènement. On va voir ce qu'on peut faire. Donc ici, bâtiment. Bâtiment 760 mm. Les gares. C'est... C'est tout écrit en allemand. Bon, on va faire autrement. On va faire comme ça. Ce sera plus simple. Et où est-ce qu'elles sont les gares? Elles sont pas triées là-dedans. Ah! Et ben on va retourner là-dedans du coup. C'est la gare ça? Non, c'est un dépôt ça. Mais c'est quoi les gares du coup? Ça c'est la gare. Non, c'est un dépôt aussi. Oui, bah les gares elles sont où du coup? Ah là. Elles sont pas notées 760 mm. Bah c'est. Oui, bah voilà aussi. Si vous ne nous aidez pas, ça va pas aller. On va mettre deux voies. 75 mètres, hein, on va garder la plus grande longueur. Et on peut changer un peu le thème, peut-être mettre un autre bâtiment. C'est quoi la différence entre les deux? Ah, ça c'est ce qu'il y a en face. Ok. Bon, on va mettre ce bâtiment là, allez. Hop, et c'est électrifié ou pas ce que j'ai mis? Non, c'est pas électrifié, on va y électrifier. Il veut pas construire. Collision avec quoi? On ne sait pas trop. On va tirer un peu plus la voie, peut-être ça ira mieux. Ok, il y a un pixel, lui il veut, c'est bon, c'est celui-là. Ok. Donc voilà. Hop, là pareil, un petit bout de rail. Hop. Ah, ça casse un peu le petit mur qu'on avait. Vraiment un mur, mais... On va juste faire ça comme ça. Voilà, 55 km/h, ça sera suffisant. Hop, et là, là, un petit tunnel du coup. Hop. Ouais, bah on va faire un truc comme ça, je pense. Hein. Et là, il faudrait redescendre et tourner à droite. En gros, ah oui, non, ça va me faire un pont. Mince. Descends, vite, descends, merci. Bon, dans tous les cas, il va me faire un pont, mais vu qu'il y a une route, est-ce que c'est pas plus mal? Si le jeu veut bien charger quelque chose, oui, voilà. Ok, un truc comme ça.
Regardez-moi comme ça rame, c'est atroce. Vite, trouve-moi un pont sympa là. Est-ce que je vois pas ce que je fais? C'est pas très beau ça. Ça du coup sera pas très beau non plus. C'est lequel? Il y a un pont comme ça qui est un peu plus large. Je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est là-dedans, mais bah non, du coup, c'est pas ça. C'est les baies, peut-être. Ouais, c'est les baies. Ah, il rame moins. Il rame pas en plus celui-là. Voilà, si on fait comme ça, l'arche elle est plutôt jolie. Hop, et le tunnel, on va changer aussi. On va mettre celui-là. Oui, il faut que le jeu tu le valides. Voilà, merci. Ok. Et là, en talus du coup, hein. Ça fait un truc assez haut, mais en pont sinon. Du coup, c'était l'autre. C'est celui-là. Ouais, on peut faire un pont là, comme ça. Hein. Voilà, et là, on met un talus. Ouais, on va baisser un petit peu encore. Mais voilà, sur du plat. Non, peut-être encore un peu. Et là, sur du plat. Voilà. Ouais, c'est particulier, mais bon, pourquoi pas. C'est pas si choquant que ça, en vrai. Bon, on voit qu'il y a des petites cassures, par contre, dans ce pont-là, mais c'est pas grave. Ah, vu de dessus, c'est pas très ouf, hein. Ah, ça fera l'affaire. Et là, du coup, peut-être une ville par là. Ah, je dis ville, mais elle sera plus des petits villages, hein, en vrai. Hop, un petit PN à 45 degrés, là, comme ça. Voilà. Et là, on a une petite ferme. Là, je ferais bien une petite montée. Voilà, comme ça. Et là, un petit peu de plat. Et on met la gare par là. Une gare un peu dans les champs. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Alors du coup, non, c'était pas comme ça, c'était comme ça. C'est bon, on va y arriver. Voilà, un truc comme ça. Ouais, 45 km/h sera suffisant pour les courbes comme ça. Hein. Hop, et là, pareil, un petit tunnel du coup, je suppose. Ah, une petite tranchée. Je suis moyennement fan de la tranchée ici. Est-ce que c'est... Voilà, un tunnel qui descend comme ça, c'est peut-être mieux. Et on ressort... On va ressortir par là. Voilà. Hop. Là, comme ça. Un petit peu de plat. Là, ça remonte direct. En vrai, on va suivre le relief, sinon. Hein. Bon, après, il y a la mine là. En fait, il aurait fallu que je fasse du plat pour faire le passage à niveau. Mais ça remonte un peu, en fait, ouais. Là, le terrain remonte un peu, donc on va faire autrement. On va faire comme ça. Et là, comme ça. Et là, on devrait être un peu mieux, je pense. Ouais, un peu, hein. Un peu, mais pas beaucoup. Non, mais la route, au pire, on la retravaillera. C'est pas un souci. Voilà, et là, hop, on va suivre le terrain. Hop, et on va faire une petite ville par là. On va
Bon, il faudra un peu un terrain plat pour faire la ville. Mais je pense que là, ça n'est pas trop mal, là. Hop. Il va la faire coller à cette ce puits de pétrole. Voilà, c'est la ville du puits de pétrole. Ça ira bien. Bâtiment, on n'a pas un truc plus moderne par hasard. Je crois pas, hein. Non, non, non. Bah c'est pas grave, on va garder ça et on va mettre cette fois-ci 4 voies. On va faire comme ça, voilà. Bon, c'est le terminus, hein, rien de bien compliqué. On va faire comme ça. Hop, comme ça. Et comme ça. Ok. Terminus simple. On peut mettre d'aiguille après. Ça va s'arrêter là comme ça. Ok, maintenant on va placer les villes. Du coup, on va commencer par celle-là. On va pas faire compliqué non plus, hein. Encore une fois. On va laisser ce petit talus là, on va tout aplanir là comme ça. Hop, un petit truc comme ça. On va faire ça comme ça. Donc, ce que je ferais bien, c'est une sorte de petite rue qui vient longer ce talus là. Voilà. Qui va aller jusque là. Toi, du coup, tu vas faire comme ça. Voilà. Et une autre rue qui longe la gare ici. Voilà. Ensuite, cette rue-là, elle va aller là. Elle va aller là. Et elle va aller ici. Ok. Ce sera retouché après la route-là, je pense. Parce que l'idée après, on le fera dans un prochain épisode, ce sera de faire une autoroute qui part de Fontenay et qui va jusqu'à Asnières. Mais là, on va poser déjà les bases de nos villes. Comme ça, après, on pourra faire l'autoroute correctement. Un passage à niveau ou pas devant la gare? On va mettre les signaux d'abord. On verra déjà plus clair. C'est là-dedans. Bon, mécanique, du coup, on reste là-dessus. On m'a dit aussi que je peux laisser des sémaphores en sortie de gare. Effectivement, ça fonctionne. Mais je vais me mettre des carrés. On va laisser des carrés. Voilà. Du coup, je vais en profiter vu que je vais en mettre aussi ici. D'ailleurs, je vais mettre sans sonic ici. C'est pas grave. Hop, je vais tous les faire. Ça évitera de chercher 10 fois dans les menus. Hop. Hop. Et après, on a ici. Ok. Donc, on va faire toi sens unique. Toi sens unique. Là sens unique. Là sens unique. Et après, là, on s'en fout. Du coup. Décoration. Éléments. Portique. Non, c'est potence. Voilà. 4 voies pour ici. Voilà. Et après, on met la 2 voies par là. Hop. Hop. Et pareil là. Ah, ça tourne un peu. Bon, c'est pas grave. Bah, ça se voit pas. C'est bon, c'est bon. Et là, hop. Voilà. Et ici, est-ce qu'on met un signal? Oh, pas vraiment, hein, pas besoin. On verra si on a besoin, mais je pense pas. Les gars sont plutôt bien répartis, c'est cool. Du coup, le PN là devant. Ah, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Genre un truc... Là, comme ça. Ah, ça fait son charme, quand même. Hein. Non, pas celui-là, par contre. Celui-là, ce sera mieux. Voilà.
Ouais, ça a son petit charme avec les aiguilles et tout. Ouais, on va le laisser. Ok. Donc là, j'ai la base de cette ville-là. Ok, ville suivante. Ville suivante, ville suivante. Construction de... Non, pas de rue. Juste de terrain, en fait, s'il me faut. Petit terrain, voilà. Hop, on va planir là, comme ça. On va faire un peu attention au champ. Là, on va pas faire un gros truc. Hein. Le jeu fera de lui-même. Alors, il fera un truc 10 fois trop gros par rapport à ce que je veux faire, mais c'est pas grave. On va faire là, comme ça. L'idée, ce serait... de faire un peu un truc en longueur. Là, on peut faire un bout de ligne droite encore. Et là, on redescend. Là, comme ça. Hop. Là, comme ça. Et pareil, un truc qui contourne un peu. On peut faire un truc qui monte. Voilà, un truc comme ça, je pense. Ouais, ça peut aller. Ça peut aller, ça peut aller. Et le dernier qui est ici. Bah là, pareil, un petit terrain. On ne voit pas grand chose, hein. Hop. Voilà. Et on va raccorder là. Et le jeu, pareil, fera son petit village comme il le souhaite. Belle petite pente. Et voilà. Ok, donc on va plopper nos petits villages. Alors du coup, c'est vraiment minuscule. Hop, un premier ici. Ouais, le jeu construit déjà. Ah, ça fait... Ah, c'est, voilà, ça, c'est ce que je voulais éviter, ça. C'est pas très beau, ça. On va supprimer des gros trucs, hein, je pense. Hein. Autant cette partie-là, ça va. Mais autant toute cette montée-là... ça va être réduit. Pareil, du coup, ici... Ah, ça a supprimé les champs, dommage. Ah ouais, ça a bien supprimé les champs. Hein. Bon, on en refera d'autres. Quimper. Il y aura des trucs à supprimer, hein, vraiment. On fera le tri. Pareil, ça, cette route-là, au-dessus de la colline-là, non merci. Et le dernier, on va mettre un poil plus gros, du coup. On va mettre petit. D'ailleurs, j'ai pas mis une gare routière ici. Avant de faire n'importe quoi. C'est vrai qu'il me faudrait une gare routière. Pour après. Pas pour tout de suite, mais autant la prévoir. Qu'est-ce que j'ai en bâtiment de rue? Alors, c'est là-dedans. Je vais m'en sortir. Le bâtiment passager. J'ai ça, mais ça c'est trop gros pour ce que je veux faire. Ça pareil, c'est trop gros. J'ai ça. C'est un poil gros aussi, hein. Ouais, c'est vraiment trop gros. Sinon, j'ai le truc de base du jeu. Un truc de base du jeu qui ferait bien le taf, hein. Si on le met là comme ça. Ça se fond un peu dans la gare. Ah, un truc comme ça là. Voilà. Ouais, bah très bien ça. Très très bien. Et puis un petit truc. Alors du coup, ouais, on va le faire maintenant. On va prendre construction de rue. Non, rue tout court, toujours. Possession par le joueur. Pas de construction. On va prendre ça. C'est pas ça que je vais faire, mais c'est pas grave. On va le refaire. Voilà, hop. Comme ça. Comme ça. On peut relier ça comme ça, voilà. Et là, ce sera un peu, du coup, un endroit réservé. Et... Est-ce qu'on peut faire le même là? Je suis perdu dans le menu encore une fois. Ça me fume le nombre de fois où je me perds dans les menus. Là, peut-être en 2 mètres, en 6 mètres. En 3 mètres, allez. Voilà, comme ça. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas très beau tous ces traits-là. Ouais, mais on va modifier. C'est le seul qu'il faut. Non, celui-là est... Ouais.
Non, le clair est plus joli, ouais. On va mettre celui-là. Ouh, ouais, d'accord, je vais même colorier cette zone-là. Je savais pas qu'on pouvait, vous voyez. Voilà. Ok. On va juste gommer ça, hein, parce que du coup... On va prendre ce pinceau-là, ce sera mieux. Ah non, pas celui-là, celui-là. Voilà. Ok, et juste pour un peu smooth tout ça. Voilà. Ok. Ah, ça fait très béton, hein, mais c'est pas grave, hein, c'est voulu. C'est voulu, c'est voulu. Et donc là, on va mettre la ville... Hop, on va la caser genre là. Voilà. C'est non. C'est non. Ouais, non, oui, d'accord. Ça... J'aurais dû corriger la route et la mettre en pas constructible. Donc on va commencer là à tout raser. Hein. À tout réaménager, bien sûr. Parce que ça, je ne veux pas. Bah, je suis en pause, je vais mettre en pause quand même. Voilà, ça, à la limite, pourquoi pas. Mais cette route là, on va la garder comme elle était avant. Ça, pareil, on supprime. Du coup. Ça, ça reste comme ça. Voilà. Le reste, c'est pas gênant. On va juste améliorer un peu les trucs. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal. Un peu des choses bizarres ici, mais bon, écoutez, voilà, mieux. Non, ce nom, ça va. Ce nom, c'est pas le pire. On va copier le nom et le mettre sur la gare. Voilà. Et pareil ici, c'est nos gares routières. Voilà. La ville est très bien servie par le train, c'est parfait. Ensuite, ici, Quimper. On va profiter. Hop, Quimper. Copier le nom. Le coller. Parfait. Quimper, on va supprimer ça. Du coup, pour pas que le jeu reconstruise dessus. Hop, possession par le joueur, oui. Pourquoi, voilà. Ici, hop, voilà. Ça, pas touche. On va faire pareil pour ici. Et là, on va améliorer juste les routes. Hein. On va pas s'embêter. Et par contre, un truc qui me plaît pas, c'est ça. Ça, il faut que ça arrive au même endroit. Voilà. Hop, un truc comme ça. Hop, hop, et hop. Pour l'instant, on va rester là-dessus, avec cette route-là. Ce sera suffisant. Bon, les champs, ils sont de l'autre côté. On en remettra d'autres si jamais il y a besoin. Avec un père, en vrai, ça va. Une fois retouché un petit peu, ça va. On va peut-être juste se mettre quelques arbres ici. Hop, c'est cela qu'il faut mettre. On va faire ça, ça ira bien, voilà. Ok. Comme ça, ça cache un peu. Et ce sera aussi bien. Voilà. Ok, très bien. La suite du coup, c'est ici. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ça qui allait pas. Ça, je vais supprimer. Ça, je supprime. Hop. On va faire en sorte que... J'aime bien l'idée que la gare se termine en sorte de cul-de-sac. Genre, ça se termine là comme ça. Et au pire, un petit chemin piéton... pas constructible. Pour ça, on va d'abord modifier celui-là, je pense. On va d'abord modifier ça. Non, ça c'est pareil, c'est pas beau ça. Ok.
Elle est vraiment pas très belle cette ville. Hein. Elle est vraiment pas très belle. J'aurais dû mettre plus de routes. Parce que le jeu l'a vraiment généré à l'arrache. Regardez-moi ces deux routes là, mais c'est moche. Bon, on va partir là-dessus. Je vais supprimer ça. On va faire un truc comme ça à peu près. Voilà. Ok. Et pour que le jeu puisse être un petit peu, on va mettre des rues qui ne sont pas possédées par le joueur. Hop, genre une là. Et une là comme ça. Et ça, on y relie là comme ça. Allez, pourquoi pas. Ouais, voilà, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Donc je disais, pour que les gens puissent passer, une sorte de petite route piétonne là. Genre si je pars de là et que je vais là. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ou un truc en pavé, ça, ouais, un truc comme ça. Hop. Voilà, on va mettre à peu près droite. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Là, ça passe un peu dessus. On va y modifier un peu. Oh non, ça m'a fait le virage. Ah, c'est un enfer. C'est un enfer. Le problème, c'est que là, vous voyez, ça passe sur le trottoir et c'est pas très beau. Donc, je vais faire en sorte que ça passe juste dessous. Sauf que le problème, c'est que si je supprime... Voilà, ça, voilà, c'est ça, ça me refait la même. Donc j'ai pas le choix que de laisser passer le trottoir. Bon, bah tant pis. Ou alors je fais comme ça. Comme ça. Et du coup ça fait une méga rampe. Ça passe même plus. Alors je fais un pixel. Voilà, comme ça. Et là, ça passe. Ça fait une rampe. Un peu une rampe de lancement, mais c'est pas grave. Non, en vrai, c'est pas, ça, c'est pas si pire. Et c'est relié, donc c'est bon. Ok. Ok, ok, ok. On va terraformer un petit peu ça. Mettre quelques arbres ici. Hop, voilà. On remplace ce qui a été enlevé. Hop, un peu par là, voilà. Et là, du coup, le terraforming. Hop. Voilà, et on verra si le jeu refait un petit beau village ou pas. Donc, Cavaillon. C'est pas ça que je vais faire, hop, ça, voilà, Cavaillon, c'est parti. Ok, 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 ok. Donc là, on est bon. On peut créer notre ligne, on va mettre play du coup. Hop, nouvelle ligne. Qui part d'ici. Qui va là. Qui va là. Et qui va là. On fait le trajet retour. Hop. Hop. Et Nier. Ok, alors Nier, on a deux voies, on va en profiter. Tu vas aussi aller sur la voie numéro 3. Tu auras 2 minutes d'arrêt. C'est plus courant que ça déjà, c'est là. Voilà. Et pareil à Seno. On a moult voies à notre disposition, on va en profiter. Hop, Seno. Voilà. Aussi la voie 1. D'ailleurs, en priorité, la voie 1 d'ailleurs. 1, 3, 5, 7. Et tu feras 2 minutes d'arrêt. Voilà. Ok. Ok, ok. Ah, ça va modifier un peu la route là. On la changera après. C'est pas grave. Du coup, on n'a pas de dépôt pour le moment ici.
Alors ça, c'est un dépôt. Parce qu'il y a les rotondes dans ce jeu. Mais on se fera un beau dépôt ici, à l'occasion. Mais en attendant, on va prendre un dépôt là-dedans. Dépôt électrique, c'est lequel? La rotonde là. Ah, elle passerait bien la rotonde là. Bon, on peut pas y électrifier. C'est dommage. C'est dommage que la rotonde ne soit pas électrifiée. On va mettre ce dépôt là en attendant. Et en fait, il n'y a que ce dépôt là qui est électrifié. Ok. Alors, je mets ça comme dépôt au mieux. Bah, la rotonde au mieux, ça rendait bien, je trouve. En attendant, on va mettre celui-là. Voilà. Parce qu'en vrai, on n'a pas de locomotive en plus ici. Donc, pourquoi un dépôt pour une rotonde? Bonne question. Je ne sais pas. On va faire comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ok, voilà. Donc, nouveau véhicule. Qu'est-ce qu'on va prendre? Donc déjà, du coup, des automotrices électriques. En 760, qu'est-ce qu'on a en... Bon, on a ça. On a déjà mis, donc on va les remettre. Et j'ai d'autres choses. J'ai ça. J'ai ça, par exemple. Oh, ça roule à 90. Café 34, ok. Est-ce que j'ai d'autres choses? On parlait du TGV. Je pense pas que le TGV soit pertinent là-dessus. Étrangement, hein. J'ai que ça, et je crois que j'ai une aussi là-dedans. Ça a hydrogène. Alors par contre, du coup, vu que c'est une voie électrifiée, on n'a pas forcément besoin d'un truc à hydrogène. Dommage, ça prend 80 personnes. Wow, j'arrive à 48 personnes. Mais effectivement, j'ai ça. Mais j'y mets en UM dans ce cas-là. 103 mètres, ça passe pas en UM. Dommage. Parce que 34 par véhicule, c'est pas énorme, hein. Bon, on va en acheter 5. Et on va voir ce que ça donne. Après, ils sont beaux, hein, ces trains. Et voilà, ils sont stylés. Ça fait tram, finalement. Pourquoi tu t'arrêtes là, par contre? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mince. Mais les bons arrières, Nia. Ah si, c'est bon. Ah, il peut pas aller sur les autres voies. Ah mince. c'est gênant ça. On va faire comme ça. Ça ira bien. Là, bah, du coup, il va bloquer la voie. On va faire demi-tour. Hop, et on va le suivre. Hop, et hop, voilà. Petit trajet en cabine. Et on est parti. Direction Cavaillon. Notre premier arrêt qui est au bout de cette ligne droite là. C'est vraiment c'est la ligne droite là. Hop. Et on arrive déjà. Il y a déjà un peu des gens qui attendent le train, donc c'est pas mal. Hop. On enchaîne petit tunnel sur un petit pont. Direction Quimper. Ouais, après, c'est une ligne qui se fait rapidement, donc ça va aller vite. S'il y a que 5 trains de 34 personnes, ça peut suffire. Bon, même si c'est de la voie unique, à voir. Hop, et on arrive à Quimper. On prend 5 personnes. Et le terminus sera Seynod. Ouais, il y a ce peine là à refaire aussi, cette tranchée là est pas très belle, pareil. À refaire, à retravailler. Hop, et Seynod, on arrive. Oh, ok, il y a beaucoup de monde qui attend à Seynod. Bah, le train va être plein en fait. Ah non, ça va. On a encore 2 personnes, c'est bon. Mais non, c'est cool hein. Ça racle un peu les quais, mais bon, écoutez, c'est pas grave, ça passe. Donc voilà, faut espérer maintenant que les villages se développent pas un peu dans tous les sens, et que ça reste joli. Ah oui, cette route-là aussi, je trouverais pas ça très beau. Ouais. À voir. On peut par exemple mettre ça pour
pour au moins supprimer jusque là. Voilà, et pareil de ce côté là. Voilà. Un truc comme ça, déjà, ce sera plus joli. Ouais, ça prend un peu des gens, hein. Bon, là, c'est normal, c'est fermé, parce que voilà, lui arrive. 34 personnes, il est complet, hein. Et je pense que c'est des gens qui vont aller jusqu'à Anières, donc à mon avis... À mon avis, ça va être compliqué, en termes de capacité. Ah, ça en a pris un petit peu, ouais. Bon, à voir, mais... Il y a 70 personnes dans les villages, mais c'est pas grave, ils prennent tous le train quand même. Bon, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. À très vite pour la suite de l'aventure. Salut tout le monde!